Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais revenir sur l'IXO ainsi que ses accessoires. Et je vais profiter de cela pour vous présenter le nouveau mandrin. Mais je vais déjà revenir sur les anciens accessoires. En premier lieu, le mandrin excentrique. Et un petit retour sur deux anciennes vidéos dans lesquelles je faisais la présentation pratique de ce petit mandrin. Et voici deux autres mandrins que je me sers de temps en temps également. C'est le système angulaire d'un côté et le système dynamométrique de l'autre. Et puis bien sûr, le retour sur le cutter. Et là également, retour sur trois petites vidéos dans lesquelles on voit bien le fonctionnement pratique de ce système. Là encore, c'est un accessoire qui me rend bien des services. Et d'une manière générale, si je pensais que l'IXO et les accessoires étaient vraiment des petits gadgets, maintenant, en utilisation quotidienne, je me rends compte vraiment qu'ils sont utiles à avoir. Et le petit prix de l'IXO ainsi que ses accessoires le rendent vraiment abordable pour tout le monde. Et nous voici de retour sur ce nouveau mandrin. La nouveauté de celui-ci est qu'il a un clip de blocage. Ainsi, je peux percer et retirer le foret sans que celui-ci reste bloqué dans le morceau de bois. Ainsi, on peut le constater avec l'ancien mandrin excentrique, où lorsque je perce, pas de souci, mais lorsque je veux revenir en arrière, le foret reste bien bloqué. La seule limite vis-à-vis de ce mandrin comme de l'IXO est de ne pas dépasser 5 mm. Et avant d'aller plus loin, je fais une petite parenthèse avec cette autre option Bosch, le souffleur de braise, mais qui dans mon cas devient une petite soufflette, mais également une petite option de séchage. Allez, petit retour sur ce nouveau mandrin. Ayant d'autres consommables de chez Bosch, j'en profite pour faire un peu plus d'essais. Foret de taille différente et bavureur. Et l'on voit que le tout fonctionne très bien. Et une fois fini le tout, bien évidemment, nettoyage des forêts, ainsi que de les bavureurs. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !